Morning. Morning. Preparation of the Z omelette. For the lazy people to cut the onions. Are you crying? I'm crying. The omelette is so good. T'es un ato? Ouais, ça va, hein, tranquille, hein, il pleut. Bon, il est où le gars? Ah! Ouais, il pleut. Moi, je sais pas. Ah! Oh putain! Oh putain! Et puis, je sais pas comment tu vas faire, toi, pour y aller. Avec la caméra là. Ça va être dur. Alors Gaël, l'entraînement là, ça se passe comment là? Écoute, ça se passe plutôt bien. Là, on va s'entraîner au tennis club de Nyon. C'est un club où on entraîne très régulièrement. Cette semaine, c'est une semaine un peu de test un petit peu pour savoir si on va jouer au tournoi de Bercy. On a repris le tennis en soi-même, mais bon, le physique, on avait fait du physique déjà pas mal de temps, mais là, voilà, c'est vraiment pour voir si on est compétitif. Si on arrive à enchaîner les grosses journées sans avoir trop de douleur, si malheureusement j'arrive à jouer peut-être 1, 2, 3 jours et après j'ai encore un petit peu mal, donc ça veut dire que voilà, faut jouer encore un peu plus de temps. Tu penses être en forme? J'aime bien que ça se présente de bon augure, quoi. Il parle d'une façon, c'est incroyable, quand on fait un vlog, si avec vous des questions, il me parle. Ah mon gars, c'est journalistique là, hein. Il prend un teint de voix, il est pas du tout journalistique, j'adore, je kiffe. Je kiffe. Il faut quand même savoir que là, le cadreur, il est pas là aujourd'hui, c'est. Ça reste Nato. Oh les gars. Qui est en train de cadrer, quand même. Ah, moi j'essaie de faire le maximum là. Donc le mec il cadre, il est physio, il cadre et il pose la question. C'est pas quand même. Ah, le pied là, c'est fini les pieds niqués là. C'est un temps pour s'entraîner. Pas à la piscine. Piscine de terre battue, les amis. Enchanté Martinez. Comment ? Ça va ? Tranquille. Hein ? 9 jours qu'elle est née. 9 jours qu'elle est née. Du coup, ça fait depuis mercredi dernier qu'elle est à la maison. Donc là, les petites chaussures. Ça, c'est des petites chaussures un peu test, celle-ci. Avec toutes les corrections, elles arrivent. Il me paraît qu'on court plus vite avec des chaussures comme ça. Présente-toi un peu aux abonnés, aux gens un peu. Là. Bon, je m'appelle Mirko Martinez. J'ai 24 ans, je suis suisse. Il est suisse, hein, il a précisé non, tout de suite. Hein. Non, mais. Je suis en Suisse à cause des impôts, moi. C'est important, ça, c'est important. Ça fait 18 ans que j'habite ici, hein, quand même. On se fait tailler tout de suite. Hein. Ah, non, je suis de Châtelois. Et puis là, c'est la première fois que je me fonde avec. Ah bon, c'est peut-être grâce à lui que je vais Bercy ou à cause de lui que je vais pas joué Bercy, en fait. Ah, là. J'ai encore 3 derniers tournois là, de l'année. Tu joues un futur et deux challenges. On a pas mal de trucs à Dubaï et en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est... On vient de commencer là, la raquette elle est comment là? Elle est pas bien là. Elle est déjà cassée? Ouais. Il y a eu quoi, 20 coups de balle? Comment? Une 22. Incroyable. Un petit massage là? Ouais, un petit massage possible. Enfin, le mec il filme, il masse, il fait tout à la fois. Il fait tout hein. Tu fais ça le mec, c'est incroyable. Par contre tu filmes exactement l'endroit où tu masses, c'est beau hein, quand même. Deuxième raquette, qu'est-ce qui se passe? Mauvais cordage. Ou tu frappes trop fort peut-être. Après t'as le dilemme. 15 balles, 35 minutes de cordage. Et à mon niveau, tu
prends directement les 20 minutes. Bravo, hein. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. C'est un garçon ou une fille? Une petite fille. Fille. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Au suivant. On va d'abord profiter de celle-là en premier. Voilà. Et faire des rôles plus sympas. Exactement. Ciao, ciao. À demain. Ciao. Oh merde. Mais... C'est dégueulasse. Regarde là, magicien. Oh, si j'y arrive. Hop, regarde bien. Je crois que j'y suis. Hein. Non, là t'as verrouillé justement. Hop, on va voir. Vas-y. Magique. Non. Je te jure, c'est un truc de dingue. Je vais demander à la station. C'est ce que je vais faire. J'étais 15 minutes comme ça devant là. Des fois ça fait ça, oui. On va devoir demander à Villebrequin, tu vois, de savoir comment on ouvre une trappe. Mais C'est bien parce qu'il n'y a pas que moi qui arrive là, quoi. Bonjour, Flotu. Bonjour. Désolé, mais pour cela, j'ai besoin d'une connexion internet. Parce que je lui ai dit que j'avais faim. Alors, cet entraînement. Non, c'était cool. Un peu comme la semaine dernière, je me sens bien et tout. Voilà, on monte en puissance, hein, comme je t'ai dit. Petit retour à la maison, séance d'étirement, massage. Petit massage de Nato. On va te voir à l'œuvre, on le déterre à la caméra. Tu... Aïe, aïe, aïe. Tu feras ton vrai métier, quoi. Révéler mes secrets. Mirko, il est hyper sympa. Ouais, super sympa. Hyper ouais, sympa. J'adore. Sauf qu'il a des difficultés à ouvrir la trappe d'essence. Meilleur moment de la journée qui va arriver. Le petit stretch, le petit massage du Nato. Là, il fait genre qu'il filme, mais il va venir, il va stretcher et masser, quoi. Et les gars, à la vôtre. Un petit massage trina, un petit massage chinois. Tous les méridiens, bien activer tout ça. Ça fait quand même vachement moins mal. C'est mieux, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là. C'est plus détendu. Là. Ah, ça me fait moins mal. De pouvoir kiffer avec vous, de pouvoir vous voir. J'ai plein de choses, plein d'annonces à vous faire. Est-ce que vous avez envie de féliciter la maman? Oh, thank you so much, everyone. It's so sweet. It's been a while. Quite cool to be back online. Now, as a parent, it's actually the first stream, no? It's the first stream, yeah, as first a parent. First stream as a parent. Very special stream. No, you look amazing, baby. You look amazing. Ouais, regarde. Il y a une image. Mais c'est bloqué, non? Il y a ta fourchette qui te coupe, quoi. Bon, c'est un peu le bordel, hein, ici. Faut pas regarder. Hop.
j'arrive à m'entraîner, tu vois, bien, mais que j'ai toujours, cette gêne, quoi, on va dire. Tout à fait. Là, ça veut dire que ta cicatrisation, elle n'est pas terminée, ça continue à travailler. Donc ça, c'est le travail de ton kiné, à pas de tout détendre pour éviter que ta inflammation reste, tu vois. Et donc, on peut pas prendre de gros appuis dessus Faut y aller progressivement, parce qu'en fait, si tu veux, le tendon, si tu passes de rien à un appui énorme, ton tendon qui a été un peu abîmé, c'est pas sûr qu'il veut te traverser, tu vois. Et c'est pour ça que là, on est en train de te remettre en charge vraiment très progressivement. Donc on gère comme ça pour l'instant. Mais ça évolue bien, franchement, c'est pas mal. Hein. Okay, okay. Voilà. Là, on est à l'hôpital La Tour. On est avec Romain aujourd'hui, qui aide à faire. Salut Romain. Qui aide à faire ma rééducation de mon pied, de mon fascia plantaire. Quelques jours dans la semaine, je viens voir le petit Romain. Dis-moi comment ça va. On va aborder que le sujet vraiment pied machin. J'avais le pied contracté ce week-end, donc ce week-end Nato il est venu pour me décontracter le pied, tu vois, samedi... Que le pied droit. Que le pied droit. Seul, ça allait aller mieux, mais dimanche, il fallait quand même le décontracter. J'ai l'impression que tout le pied, tu vois, était vraiment contracté. En fait, c'est plus une grosse courbature, c'est pas une blessure, tu vois, genre j'ai sens pas mal. Tu sens pas le point que tu me disais, non, machin. Non, non, mais je sens que je suis gêné, tu vois. Ok, va. Le tableau, il tombe quand? Vendredi. Ah bah c'est tombé une fois. Mais y'a pas de forfait de français là? Non, je crois pas. Bah peut-être moi. Faut remettre les chaussures. On va en bas, on va remesurer sur le tapis, c'est à la marche. Fais 30 secondes d'enregistrement, tu marches normal en regardant là-bas. Au revoir. J'ai une barre là, ça me fracasse le pied. Parce que sinon ta chaussure et surtout celle-là en fait, elle va prendre énormément. Ah j'ai mal de fou. Oh là là, ça tape. À demain. C'est bien, c'est pour te passer ça. Allez, va. Par l'entraînement. Ça va être sympa. Tu vas pouvoir filmer pour les gens sur Twitch. En fait, on sait pas si Mirko il va arriver aujourd'hui. Parce qu'on sait pas s'il a réussi à mettre de l'essence. C'est ça. Avec ça. Pour moi, il est coincé. Je vois une plaque de Neuchâtel, je suis sûr qu'il a pris une nouvelle voiture. Ah, je peut-être. Mini, hein. Il a pris une nouvelle voiture. La Mini, c'est sa Mini. Bonjour. Ça va? On va. Bien, bien, oui. Et le retour? Alors, là, ça que va, tranquille. T'as pris la Mini, là? Non. Comment? Un employé par ici et troisième réussite. Donc il y avait vraiment un truc bloqué quoi. Et le cordage, et le cordage. Ça va flancher ou ça va pas flancher? Tu commences par celui-là? Tu vois, aujourd'hui là, je sens plus mon pied là ce soir, hein, tu vois. Attends, on a fait un bon live hein, là. Ça faisait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas live sur Twitch. Ça fait plaisir de fou quoi. Quand on arrive à proposer du bon contenu comme ça et tout. Thank you, baby, for the amazing curry, chicken curry. This is like actually my favorite dish, you know. You know, maybe it's because you're your mommy now, you know. This one is. I didn't lose my touch. This one is the good. See you later, girls.
Tu jettes. Alors l'entraînement alors? Ça se passe plutôt bien. Normalement, ça a dépassé un petit peu aujourd'hui. Des petites douleurs, mais normal, je pense, du début. On verra tout à l'heure au massage, mais ça allait. Comment tu m'as senti, toi? Déjà, t'as plus senti que depuis les deux premiers jours, là. Ouais. Et du coup, on voulait aussi faire des déplacements et tout. Après, ça sentait pas trop, enfin, si tu le sais pas. Mais t'as senti un peu, tu m'as dit tout à l'heure quand même. Senti un peu sur les bouts de course et tout, tu voyais que. Enfin, bah, j'arrive pas encore à mettre bien. C'est pas que tu mets l'appui de dingue et. C'est juste dans ces moments-là où tu sortais un peu relatif, quoi, mais sinon... C'est mieux, quoi, c'est mieux en il y a la balle sur toi... Bah, la balle sans. C'est mieux, quoi. Ah, t'as pas vu ce que je viens de faire. Il y a la pression. Oh, elle est belle. Elle est belle. Oui, monsieur. Marco Martinez. Réflexe. Oh! Ah oui, c'est. Un peu plus dur là d'être, non? Ah ouais, c'est un peu plus dur. Là, je sens que j'ai un peu mal. Ah ouais. Ça t'a piqué quand même, hein? Ouais, la martie, elle m'a fait un peu mal. Aujourd'hui, c'était le premier jour où on s'est redéplacé, quoi, en fait. Déplacement à l'intérieur, il était quand même dur, hein? Ouais. C'était pas fluide, ouais. Et je te dis, c'est pas une gêne, mais c'est comme s'il y a quelque chose en fait qui me. Ouais, c'est pas une gêne, mais il y a quelque chose en fait. Là, t'es plus fort. Ouais, j'ai un peu fort. T'as pas de force? C'est filmé. T'as pas de force, c'est pas possible. Si, j'ai plus fort. Ah ouais, j'ai pas l'impression que t'as plus, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Les gens un peu bien? Je sais que j'ai un plus fort. Ah ouais? Là, ça va vraiment mieux pour toi. C'est impossible de faire ça. D'autant t'es faible, de toute façon. Ah, mon gars. Alors on va se rendre où aujourd'hui? On va pour faire une IRM. Une IRM du pied, voir comment la blessure évolue. Et aussi hier, il y a une petite alerte. Donc voir aussi où s'en est la cicatrisation. Hier c'était le premier jour où on a commencé à faire des déplacements contrôlés, mais pas mal de déplacements. Donc le médecin tout de suite, quoi qu'il arrive, m'a dit de prendre au moins une journée pour voir comment le pied réagit. Aujourd'hui, et à cause de cette petite alerte qu'on a eue hier, par contre, on a tout de suite dit que c'est peut-être mieux de faire des images pour qu'on soit bien sûr que tout se passe bien. Mais dans l'attente de l'IRM, on enlève toutes les parties métalliques, les objets. C'est à qui tu parles? Il faut faire un troisième plan, soit DP, soit T2, ça. Dans la cheville. Donc il faut faire l'axial T2 ou le DP, pas de satin. Un petit peu fissuré, un petit peu épaissi aussi. Ça c'est aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus épais, beaucoup plus... De toute façon, je vais rentrer, je vais reprendre en train de... Oui. Allô, pardon. So, Gunther, yeah, I'm here with Nato. Hi Nato, hi guys. That was the last practice today. It was a bit better, but still I can still feel a little bit my foot. I won't say that I'm 100%. I'm close, but not 100%. That for sure. I still saw a little bit. So now you okay, know. Okay, you're not 100%. You don't play. Yeah, you went there last year. Yeah, you had to pull out against Novak. Probably you hit the ball good, but the risk injury-wise is too big. Be patient, take a few weeks, and then you're gonna be 100% ready for the next season. Okay. So I just call Paris and then I say that I'm not playing this year. No, definitely not. Definitely not. 98% is too late. Okay, if you have injury and it takes you out for half a year, the risk is too big. Thank you.
panique de nouveau. Vas-y, je joue tranquille, sans forcer, c'est juste pour m'amuser, je reprends. T'as jamais mis une crevasse, là, comme ça. Plein. Tu sais que ça, c'est, ça a apparu à un match. Je sais exactement quel match, mais ça a commencé à apparaître. Ouais. Contre Gilles en Australie. J'avais jamais ça. Contre Gilles en Australie, on a joué 5 heures, là, une année. Et tu vois, ça a commencé à apparaître là, et depuis ce jour-là. Et pas forcément nous, mais en premier déjà, forcément, félicitations pour tout ce que tu as fait dans ta carrière. Pour moi, c'est un grand frère, tu sais. Tu as œuvré dans toute ma carrière. Et une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je suis content que tu aies pu t'épanouir et que tu finisses en beauté comme ça, ici à Paris. Et on est ensemble, hein. Tu sais très bien, du début jusqu'à la fin. Encore bravo. Je t'aime. No, that when you can't hold me. Know that it was my time and I need a rollie. P139, that's the word. This provision is precision, you ain't gotta see the work. Every situation different. Trust if you feeling out of luck or if you stuck, homie, you just can't miss this. It's so easy, you be thinking it's absurd. Gotta see the glory and the hurt. La courte surtout. J'aimerais bien changer pour une courte aussi, j'en ai marre d'avoir des longues. C'est trop lourd. Ça fait trop mal, tu vois, c'est trop. À une main, ouais, j'ai l'impression que je suis relâché, Surtout j'ai l'impression que je tape plus fort, tu vois, quand il faut lifter et tout. Sur terre, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a deux victimes, je te jure. Allez, mon verre, c'est le Cueva. Si je peux faire quelques matchs comme ça... Passe-moi, la partie traite pas, quoi. Bah, j'aurais pu jouer, mais c'est sûr, pas à 100%. Non, on veut surtout pas que ce qui s'est passé à Montréal puisse se reproduire. Si on part trop tôt, c'est comme si on n'a rien fait et on perd l'année. Le premier qui veut, il m'a appelé pour son animateur, je crois. C'est ça. Allez, donne les règles, mec. Dans la diagonale coup droit, l'objectif, on l'a mis avec les cibles. C'est une zone assez longue et l'objectif, évidemment, c'est de toucher le plot. Et voilà, le premier à 5 plots. I remember back in the apartments. Humble beginnings, what I start with. I'm still humble if you checking out my car 10. 2% we wasn't dancing like we Carlton. Now margins, harvest started planting. Seeds have been demanded. Trees taken for granted. Okay. En revers, c'est pas trop. Par contre, la chaîne où il est fort joué, c'est avec le service. We gon' make it, face it. This year ain't even go the way we want it. Et de deux. On va donner 6 balles à Joe. Parce qu'en 6 balles, il arrive à dégommer une cible. Au top de sa carrière, en 2 balles. Maintenant, à la retraite, en 8 balles. Tu ne ferais pas un comeback, on a une exclusivité, les gars. Au top de sa carrière, je lui dis 2 balles. Joe, un petit comeback? Jamais. Bon, en même temps, je savais faire que ça. J'entends les médisants, les haters, qu'il arrive tout de suite à les retoucher dans les 6 balles. Parce que j'entends, ouais, il a eu de la chance. Every situation different. Trust if you're feeling out of luck or if you're stuck, homie, you just can't miss this. It's so easy, you be thinking it's absurd. Gotta see the glory in the hurt, see the glory in the hurt.